Salut les bavards et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va découvrir un des meilleurs systèmes Wi-Fi pour le gaming qui va réduire jusqu'à 75% votre ping et votre latence. Ce système fait partie de la gamme Asus, composé d'un routeur gaming, l'Asus ROG Rapture GT AC 2900 et d'un répéteur Wi-Fi, l'Asus RP AC 55. Le routeur gaming de chez Asus est recommandé par GeForce Now, la solution de cloud gaming par Nvidia, pour réduire significativement votre latence. Et il améliorera grandement votre expérience en jeu, que ce soit sur PC, console et mobile. Je ne vous en dis pas plus sur les fonctionnalités de ce routeur qu'on va découvrir tout au long de cette vidéo, alors asseyez-vous bien et découvrez les 6 méthodes que Asus a implémentées sur ce routeur pour offrir de meilleures performances aux gamers. Avant de commencer, je voulais remercier Asus ROG de m'avoir envoyé ce système pour le comparer avec un système Wi-Fi standard. Ce comparatif sera bientôt disponible sur la chaîne des Bavards, alors n'oubliez pas de vous abonner en activant les notifications pour la découvrir quand elle sera disponible. En attendant, regardons ce que ce système a dans le ventre. L'Asus ROG Rapture GT AC 2900 est un routeur haut de gamme, gaming et complet. Il coûte environ 269,9€ sur Amazon et vous trouverez un bonus caché en description de cette vidéo. Le routeur Asus arrive dans une boîte de qualité au design accrocheur. J'apprécie les écritures aux allures métalliques qui rappellent immédiatement la marque de fabrique Asus. D'un coup d'œil, on découvre les fonctionnalités avancées de ce modèle, à savoir une protection des attaques et menaces extérieures appelée AI Protection, la technologie iMesh qui permet de créer un réseau Wi-Fi maillé en reliant des équipements réseau standard de la marque Asus compatibles. Grâce à cette technologie innovante, flexible et modulaire, vous créez un réseau Wi-Fi unique chez vous avec des équipements adaptés à chacun des besoins de votre logement. Et en plus, sans avoir à changer tout votre matériel réseau. Vous trouverez en description la liste des équipements compatibles et on verra cette technologie en détail dans une prochaine vidéo. Et des fonctions pour réduire votre latence et améliorer votre expérience GeForce Now, mais aussi gaming, que ce soit sur PC, console et mobile. À l'intérieur, on y trouve une notice pour fixer le routeur sur son socle, sur un mur ou debout. L'alimentation 19V 1,75A. Le tournevis pour fixer le support sur le routeur. 3 ampelles directionnelles à visser au-dessus du routeur Asus ROG. Le routeur Asus ROG et le classique manuel d'utilisation. Le support debout peut vous sembler anodin, mais il va être crucial dans l'élaboration d'un très bon réseau Wi-Fi. Le but est de positionner ce routeur dans un endroit dégagé pour avoir le moins de perturbations possible, notamment avec la fréquence 5 GHz qui est très sensible aux obstacles. Le positionnement du routeur Asus au bon endroit est plutôt facilité grâce aussi à la longueur de câble de l'alimentation qui est d'environ 2,20 m. Pour compléter le système Wi-Fi composé d'un routeur, on va l'associer au répéteur l'Asus RP AC 55 et le brancher dans une autre pièce pour améliorer la connectivité en général chez vous. Si je vous présente ce système Wi-Fi, c'est que je suis super curieux de voir comment Asus a réussi à implémenter des fonctions pour réduire significativement votre ping et votre latence jusqu'à 75% avec des fonctionnalités qui sont directement accessibles depuis le boîtier. Regardons maintenant les fonctions qui vont nous intéresser sur ce routeur pour réduire significativement votre ping et votre latence. Pour cela, il faut se rendre sur le site router.asus.com pour procéder à l'installation et la configuration avancée de celui-ci. En plus de cela, vous avez une application mobile qui vous permet aussi de procéder à l'installation si vous ne voulez pas utiliser votre ordinateur et vous avez accès à des fonctionnalités plus réduites par rapport à l'interface web. L'installation est super facile et simple à paramétrer. Et dans le pire des cas, vous pouvez toujours commenter dans la section dédiée de cette vidéo et vous savez que je vous y répondrai volontiers. L'application mobile quant à elle est parfaite pour faire des paramétrages simples et faire du monitoring sur votre réseau. Pour le reste, je vous recommande vivement d'aller sur le site router.asus.com. Avec ce routeur, vous allez enfin pouvoir commencer à gagner vos parties. Si vous ne connaissez pas le NAT ouvert ou le PON NAT, il est très probable que vous perdiez souvent vos parties. Et oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit vous ne gagnez jamais vos parties de jeu. Si votre routeur est configuré en NAT strict ou modéré, il est très probable et certain que vous n'hébergez jamais une partie en ligne. Du coup, dans une partie à plusieurs joueurs, c'est vous qui avez la pire des latences. Donc quand vous vous retrouvez en 1 contre 1, vous les perdez souvent. Au lieu d'être juste mauvais, vous pouvez ajouter une nouvelle excuse à votre kit, à savoir que vous n'avez jamais configuré le NAT ouvert. Sur Overwatch par exemple, le jeu fonctionne beaucoup mieux lorsque vous êtes paramétré en NAT ouvert, qu'en modéré et en strict. Alors si vous savez et avez la possibilité de le faire sur votre routeur, je vous conseille et recommande vivement de le faire.
Sur ce modèle et sans connaissance, vous pourrez en trois clics choisir un profil préconfiguré de jeu pour configurer votre NAT ouvert pour avoir la meilleure expérience de jeu pour Overwatch par exemple ou Call of Duty, League of Legends, etc. Voyons la connectique et les boutons qui sont accessibles sur ce routeur et le répéteur. Sur le répéteur Asus RP-AC55, vous avez un indicateur de marche arrêt, la connectivité Internet et un indicateur de positionnement par rapport au routeur. Il paraît que l'éclairage RGB améliore significativement votre ping et votre latence. Alors, si ce que vous voyez juste à l'écran ne vous suffit pas pour vous dire que ça marche, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Et vous pouvez sûrement booster l'éclairage RGB en modifiant tous les effets en allant sur le site router.asus.com pour paramétrer tout ça et synchroniser votre ensemble RGB de la gamme Asus avec LauraSync. Aussi, vous pouvez désactiver l'éclairage RGB directement par un bouton qui est accessible sur le côté, au cas où celui-ci est positionné dans une pièce de nuit ou si celui-ci vous dérange, par exemple, quand vous visionnez des films. À l'avant, on peut constater trois LED de fonctionnement qui vont vous indiquer l'état de la connectivité Internet, du Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Côté droit, vous avez des boutons d'accès rapide pour activer, désactiver le Wi-Fi, connecter des équipements rapidement, réinitialiser le routeur, changer l'éclairage RGB et un bouton personnalisable pour réduire sa latence. Ce bouton personnalisé pourra soit prioriser vos équipements GeForce Now, prioriser les paquets de votre réseau par l'option Game Boost, ou sélectionner un canal 5 GHz supplémentaire pour une plus grande rapidité avec moins d'interférences. Enfin, à l'arrière, vous avez un port 1 gigabit par seconde pour relier le routeur à la box Internet, 4 ports Ethernet 1 gigabit par seconde pour connecter directement vos réseaux, dont un port qui est priorisé automatiquement par rapport aux autres pour des usages gaming. Un port USB 2.0 et 3.1 Gen 1 sont aussi disponibles pour y brancher un disque dur ou tout autre équipement de type système de sauvegarde, comme les NAS par exemple. Regardons maintenant comment diminuer et réduire sa latence avec des paramétrages de niveau 1 sur ce routeur. Pour cela, il faut se rendre sur le menu accélération de jeu et vous voyez que vous avez deux priorisations du ping et de la latence de niveau 1. Sur l'Asus ROG Rapture GT AC2900, si vous utilisez le mode câblé, vous avez un port qui va prioriser automatiquement le trafic par rapport au reste du réseau. C'est ce qu'ils appellent le périphérique de jeu. En plus de cela, si vous possédez un ordinateur ou un ordinateur portable de la marque Asus, vous bénéficiez de la technologie Game First 5 qui permet de prioriser automatiquement le trafic provenant de ces machines. Le routeur ROG Rapture GT AC2900 reconnaît automatiquement et procède à une accélération de niveau 2. Vous le voyez actuellement sur votre écran, la priorisation de niveau 2 consiste à prioriser les paquets qui contiennent des données associées à vos jeux vidéo préférés. En activant le mode Game Boost, en cliquant sur le petit bouton que vous voyez ici à l'écran, celui-ci va prioriser les données contenant des paquets de jeux sur tout votre réseau. Enfin, vous avez la priorisation de niveau 3 qui s'appelle accélération du serveur de jeu. Cette option, en partenariat avec le service WTFast, est en fait un VPN dédié au gaming, ce qu'on appelle un GPN. Il va tout simplement connecter votre réseau domestique au serveur de votre jeu via le chemin le plus court, avec une latence et un temps de réponse minimum. La cerise sur le gâteau et le dernier élément pour optimiser tout votre équipement, c'est que vous avez la possibilité de prioriser le flux provenant par exemple du jeu Fortnite sur votre smartphone. Pour cela, il faut vous rendre sur l'application mobile Asus Router, activer le mode Mobile Game Mode pour prioriser le flux provenant de votre smartphone. Au final, ce routeur offre pas moins de 6 fonctionnalités pour réduire significativement votre ping jusqu'à 75% par rapport à un système standard. En vous proposant la fonctionnalité de NAT ouvert, la priorisation de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, la priorisation de vos devices de type mobile et console, en plus de prioriser tout le flux provenant de GeForce Now. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre la prochaine vidéo sur le comparatif réel et les avantages que ce routeur va offrir par rapport à une expérience sur GeForce Now, le Shadow PC et mon PC standard. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.